Mes chers collègues, bonjour. Je demande de bien vouloir prendre place. Nous allons commencer notre séance d'aujourd'hui. Je vais commencer par les salutations habituelles. Donc à vous, messieurs, dames, les conseillers, monsieur le membre du gouvernement, monsieur le secrétaire général adjoint du Haut-Commissariat, l'administration du gouvernement et du Congrès, messieurs, dames du public et de la presse. On vous a convoqué, donc, messieurs, dames et conseillers, en séance publique par courrier en date du 10 février 2020, diffusé par mail le même jour, suite à deux demandes de session extraordinaire formulées par monsieur le haut-commissaire par courrier en date du 30 janvier 2020 et par le gouvernement par arrêté numéro 2020-143 du GNC du 4 février 2020 que nous avons reçu le 5 février 2020 en application des dispositions de l'article 66 de la loi organique statutaire. Nous allons faire la vérification des conditions de quorum. Monsieur le secrétaire général adjoint, s'il vous plaît, pour l'appel des élus. Madame la présidente Bacquès, présente. Madame Barbier, présente. Monsieur Blaise est excusé et a donné procuration à Monsieur Queneau. Monsieur Brial est excusé et a donné procuration à Monsieur Frogier. Monsieur Brinon est excusé et a donné procuration à Monsieur Favreau. Monsieur Crenier. Présent. Monsieur Queneau. Monsieur le député Dunoyer. Madame Fèvre, Madame Falaio, Monsieur Favreau, Monsieur Frogier, Monsieur Goua est absent et a donné procuration à Madame Machereau-Régnier, Madame Patricia Goua, absent, Monsieur le député Gomez, absent, Monsieur Joseph Gourmelet a donné procuration à Monsieur Tutugro Victor, Madame Eo, présente, Madame Jalabert, Madame Calleul-Berounet, excusez. Madame Emmanuelle Cac. Madame Coatet est absente et a donné procuration à Monsieur Crenier. Madame Cuisinier-Wright, absente. Monsieur le Président de l'Allier. Madame Machereau-Régnier. Madame Malfar-Paouga. Madame Manouo-Alalo. Monsieur Mapou est excusé et a donné procuration à Monsieur Wachetine. Monsieur Metzdorf, absent. Monsieur Michel, absent. Madame Montagna. Madame Nasseline est absent et excusé. Monsieur le Président Néantine est absent et a donné procuration à Madame Eo. Monsieur Pabouti. Monsieur Ponga est absent et a donné procuration à Madame Montagna. Madame Croisé. Madame Ruffnac. Madame Sakilia est absente et a donné procuration à Monsieur Pabouti. Monsieur Saliga est absent et a donné procuration à Madame Malfar Paouga. Madame Saliga Lutovica, absente. Monsieur Sawa est absent et a donné procuration à Madame Waka. Madame Souvé est absente et a donné procuration à Madame Watéou. Madame Tijinmae est absente. Madame Tchiwe, absente. Madame Toufele est absente et a donné procuration à Madame Jalabert. Monsieur Toukoumoulou est absent et a donné procuration à Madame Falayo. Monsieur Tutugoro Pierre Chanel est absent et a donné procuration au président Lallier. Monsieur Victor Tutugoro. Madame Vandégou est absent et a donné procuration à Madame Ruffnac. Madame Waïcha est absente et a donné procuration à Madame Fèvre. Madame Waka, présente. Monsieur le président Wamitan est absent et excusé. Monsieur Wanu, absent. Monsieur Wachetine, Madame Watéou, les conditions de quorum sont remplies, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Secrétaire général adjoint. Nous allons donc procéder à la lecture de l'arrêté d'ouverture de la session extraordinaire, s'il vous plaît. Président, merci. Article 1er, donc la session extraordinaire du Congrès de l'Union européenne est déclarée ouverte le mardi 18 février 2020 à 15h27. Article 2, la présente session extraordinaire ne peut excéder un mois. Et l'article 3, c'est l'article de transmission. Merci beaucoup. Je vais donc procéder à l'annonce de l'ordre du jour pour aujourd'hui.
Nous avons premier un examen pour avis d'un projet d'arrêté. Il s'agit du projet d'arrêté portant désignation au sein des commissions administratives et spéciales des personnalités qualifiées indépendantes. Ensuite, en deuxièmement, nous avons les examens de projet de délibération. Le premier concerne le projet de délibération portant diverses mesures d'ordre fiscal. Il s'agit du rapport numéro 135 du gouvernement du 24 décembre 2019. Le deuxième, c'est le projet de délibération portant sur les conditions d'exercice des métiers de la construction. C'est le rapport 104 du gouvernement du 29 octobre 2019. Ensuite, le projet de délibération portant modification du titre 4 du livre 2 du Code des assurances applicable en Nouvelle-Calédonie sur sa partie réglementaire. C'est le rapport numéro 105 du gouvernement, également du 29 octobre 2019. Puis le projet de délibération relatif au contrôle technique de la construction en Nouvelle-Calédonie. C'est le rapport 106 du gouvernement du 29 octobre 2019. On finira par l'examen d'une proposition de délibération qui est la proposition de délibération portant modification de la délibération numéro 61 du 14 janvier 2020 portant habilitation de la commission permanente du Congrès de la Nouvelle-Calédonie durant l'intersession de janvier à juin 2020. Il s'agit de la proposition numéro 26 du 10 février 2020 déposée par M. Roquemiton, président du Congrès. Donc voilà. C'est bon, monsieur le secrétaire général adjoint. On va donc passer directement au point 1. OK. Donc on commence. C'est le projet d'arrêté portant désignation au sein des commissions administratives et spéciales des personnalités qualifiées indépendantes. Monsieur le secrétaire général, pour le rappel. Président, merci. Donc, un courrier de M. le haut-commissaire en date du 30 janvier 2020, accompagné du projet d'arrêté portant désignation au sein des commissions administratives spéciales des personnalités qualifiées indépendantes. Un projet d'arrêté modifié, transmis par les services du haut-commissariat le 10 février 2020 et diffusé au conseil le 11 février 2020. Et les éléments de présentation des personnalités qualifiées indépendantes appelées à siéger au sein des CAS, transmis par les services du haut-commissariat le 10 février 2020 et diffusé au conseil le 11 février 2020. Merci, monsieur le secrétaire général adjoint. Concernant l'intervention du liminaire pour le compte du haut-commissaire, est-ce que monsieur Luric de la Bourrie de la Battue a une intervention à faire ? Je vous donne la parole. Merci, monsieur le président, monsieur le membre du gouvernement, mesdames et messieurs les conseillers. Donc, cet arrêté est pris conformément au décret de décembre 2015 qui prévoyait la situation des observateurs au sein des commissions administratives spéciales, en particulier son article 3, qui prévoit que le ministre chargé de l'Outre-mer propose une liste de personnalités qualifiées pour le poste d'observateur au sein des commissions administratives spéciales. Le haut-commissaire de la République désigne, sur la base de cette liste et après avis du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, les observateurs membres des commissions administratives spéciales. Il désigne également parmi les observateurs un président. C'est donc cette liste qui vous a été transmise par arrêté. Composé donc de 10 personnalités qualifiées indépendantes sur la proposition du secrétaire général des Nations Unies, saisi par le Premier ministre, et M. Augustin Louada, membre de ces 10 experts qualifiés, a été proposé comme président des observateurs et donc chef de file de la mission, poste qu'il avait déjà occupé lors des deux précédentes campagnes de révision des listes électorales spéciales, provinciales et consultations. Sur les 10 experts qualifiés proposés au sein de l'arrêté, 7 ont déjà effectué plusieurs campagnes de révision des listes provinciales et consultations en Nouvelle-Calédonie, et 3 d'entre eux seront en Nouvelle-Calédonie pour la première fois, ce qui est un bon équilibre qui permet à la fois d'avoir le regard neuf de personnalités nouvelles et l'expérience des personnes qui leur ont précédé. Le coordinateur de la mission, monsieur... Excusez-moi, il faut que je prenne son nom qui est un petit peu compliqué... Monsieur Dimbi Randria Neina est également sur place en Nouvelle-Calédonie et organise l'arrivée de ces 10 experts, dont l'arrivée est prévue échelonnée entre le 17 et le 21 février pour 9 d'entre eux et ultérieurement pour le 10e qui doit encore recevoir son visa. Voilà, monsieur le président, les éléments dont je pourrais vous faire part. Merci, monsieur le secrétaire général adjoint du Haut-Commissariat. On va donc
commencer avec la discussion générale, s'il y a des interventions. Qui souhaite s'exprimer dans le cadre de la discussion générale? Personne. Madame Fèvre. Oui, merci, Monsieur le Président. Moi, j'ai juste une question. Cet arrêté-là, est-ce qu'il ne serait pas utile de le compléter par la date de la consultation dont il s'agit? C'est une nomination ponctuelle, non? Excusez-moi, merci. Monsieur le Secrétaire Général adjoint du Haut Commissariat. Merci, Monsieur le Président. La désignation de ces experts a lieu tous les ans, pour chaque révision annuelle des listes électorales, qu'il y ait ou non une consultation ou une élection pendant l'année. Le rythme de révision des listes électorales est annuel, et donc ces experts sont prévus pour chaque campagne de révision des listes. Et donc, dans ce cadre-là, il n'est pas nécessaire de préciser l'élection ou la consultation en cours, puisque leur présence est prévue en temps ordinaire, tout comme en année de scrutin. Ça vous va, Madame Fèvre? Merci. Madame Ruffnack. Ouais, merci, Monsieur le Président. Juste une question adressée à l'État. La réponse n'est pas obligatoirement donnée maintenant. Ce serait intéressant de savoir le coût de telle mission pour l'État sur l'ensemble de ces experts qui sont envoyés en Nouvelle-Calédonie pour la révision des listes électorales. Il y a déjà des précédents, donc il y a des comparatifs. Et ça sera intéressant pour nous de connaître le coût, effectivement, de ces missions. Merci. Merci, Madame Ruffnack. Je pense que ça a été noté. Y a-t-il d'autres interventions? Je n'en vois pas. On va donc procéder à l'examen du projet d'arrêté. Monsieur le secrétaire général adjoint du Congrès, s'il vous plaît, pour la lecture de l'article 1er. Donc, article 1er, les experts désignés ci-dessus sont nommés en qualité de personnalité qualifiée indépendante, sans voix délibérative, au sein des CAS chargés de la révision de la liste électorale spéciale pour l'élection des membres du Congrès et des assemblées de province et du tableau annexe des électeurs non admis à participer au scrutin et de la liste électorale spéciale pour la consultation sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté. Donc, M. Augustin Louada, M. Rafik Alouani, M. Germain Amouni, M. Boubacar Bourema, M. François Butedi, Mme Koura Félicité Owana Mfegué, Mme Rolande Yvette Ziegler, M. Cheikh Sid Mohamed Lee, Mme Ascension Maria Toledano Gomez, M. Ousmane Touré. Voilà pour l'article 1er, M. le Président. Merci, M. le Secrétaire Général Adjoint. Y a-t-il des interventions sur l'article 1er? Je ne vois pas de demande d'intervention, donc passer à l'examen de l'article 2, s'il vous plaît, M. le Secrétaire Général Adjoint. Président, merci. Article 2, M. Augustin Louada est désigné en qualité de président des observateurs. Y a-t-il des interventions? Il n'y en a pas. On passe à l'examen de l'article 3, l'article de transmission. Le secrétaire général du Haut-Commissariat de République en Nouvelle-Calédonie, les commissaires délégués de la République pour les provinces Nord, Sud et des îles Loyauté, sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié aux maires des communes de la Nouvelle-Calédonie et publié au journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Pas d'intervention non plus. Je vous remercie. On va donc passer à la lecture du projet d'avis par M. Laurent Travers, s'il vous plaît. Oui, merci, M. le Président. Donc le Congrès de la Nouvelle-Calédonie, réuni le 18 février 2020, saisi pour avis sur le projet d'arrêté portant désignation au sein des commissions administratives spéciales des personnalités qualifiées indépendantes, formule son avis dans le sens des observations suivantes. Premièrement, la liste des personnes désignées à l'article 1er du projet d'arrêté en qualité de personnalité qualifiée indépendante recueille un avis favorable du Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Deuxièmement, la désignation de la personne mentionnée à l'article 2 du même projet d'arrêté en qualité de président des observateurs recueille un avis favorable du Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Le présent avis sera transmis au haut-commissaire de la République ainsi qu'au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Merci, M. Travers. Je vais donc mettre aux voix cet avis. Qui est contre? Qui s'abstient?
L'avis est donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Au revoir, monsieur le secrétaire général adjoint du commissariat. Nous passons donc au point 2 de cet ordre du jour et qui est projet de délibération portant diverses mesures d'ordre fiscal. C'est le rapport numéro 135. Gouvernement du 24 décembre 2019. Monsieur le secrétaire général adjoint pour le rappel. Merci, Président. Donc le projet a été déposé sur le bureau de congrès le 26 décembre 2019. Examen en commission de la législation et de la réglementation économique et fiscale le 7 janvier 2020. Le rapport de commission numéro 3 du 7 janvier 2020 a été diffusé le 13 janvier 2020. Et je rappelle que c'est une délibération d'application de la loi du pays numéro 2020-2 de soutien à la croissance de l'économie calédonienne promulguée le 20 janvier 2020. Monsieur le membre du gouvernement. Oui, merci, monsieur le Président. Donc, comme rappelé, c'est une délibération d'application de la loi de soutien à la croissance de l'économie calédonienne, en tout cas pour les deux premiers points. Sur le premier point, il s'agit de mettre en conformité les statuts de l'ARTI et, pour permettre le remboursement des stocks et d'augmenter sa durée de vie durant l'opération. Sur le deuxième point, c'est de passer de 1 à 2%, donc une augmentation de taxes, le régime des promoteurs qui avait été évoqué dans le cadre de la loi. Et enfin, sur le troisième point, qui n'est pas dans le cadre de la loi de soutien à la croissance de l'économie calédonienne, il s'agit d'une mesure technique de fixation du taux de la TSS mine, d'une application purement technique. Voilà. Je vous remercie, monsieur le membre du gouvernement, pour cette intervention liminaire. On va donc passer à la lecture du rapport de commission numéro 3 du 7 janvier 2020. Madame le rapporteur, Madame Pascale Montagna. Merci, Monsieur le Président. Dans la discussion générale, Madame Sakilia s'interroge sur la date à laquelle l'ARTI aura achevé sa mission. Monsieur Gigès indique que la mission de l'ARTI prendra fin en 2024, après le dernier versement des sommes qui lui sont affectées. Rappelons qu'un prêt a été contracté auprès de la BCI à un taux de 3,2% qu'il estime conséquent et coûteux pour la Nouvelle-Calédonie. Monsieur Crenier souhaite des informations complémentaires. Monsieur Gigès indique que seule la BCI a été en mesure de répondre à cette demande de prêt. Il précise qu'un taux de 3,5% a été proposé à l'origine, lequel a pu être ramené à 3,2% grâce à la double garantie apportée par la BRED. Il fait observer que les intérêts de ce prêt ne seront pas supportés par la Nouvelle-Calédonie, mais par l'ARTI elle-même, grâce aux recettes issues des contrôles effectués sur les demandes de remboursement, lesquelles sont de l'ordre de 300 millions de francs. Madame Montagna demande à quelle date interviendra le remboursement par l'ARTI des taxes à l'importation restendues dans le cadre de la mise en œuvre du régime définitif de la TGC. Rappelant que cette mesure est attendue par de nombreux commerçants, M. Gigès indique que ce remboursement aura lieu entre février et mars 2020, une fois ce projet de texte adopté. Il ajoute que le conseil d'administration de l'ARTI se réunira afin d'autoriser le directeur à signer la convention avec l'établissement bancaire. En réponse à M. Lallier, M. Gigès précise que l'emprunt est réalisé par l'ARTI. Merci, Madame le rapporteur. Dans le cadre de la discussion générale, y a-t-il des interventions ? Monsieur le député Dunoyer. Oui, merci, Monsieur le Président. Une question essentiellement autour de l'articulation qu'il y a entre le remboursement par l'ARTI des intérêts qui sont mentionnés et les 300 millions, enfin, c'est la somme qui est indiquée, hein, qui sont susceptibles d'être récupérés par l'ARTI au titre du contrôle. Donc on imagine de demandes de remboursement qui ne sont pas légitimes. Donc la question... Je peux la résumer ainsi. Ça porte sur quelle somme, ces 300 millions ? Sur les 5 milliards, enfin les 4 milliards qui restent, sur la totalité des 9 milliards que représentait le remboursement. Et puis, au final, donc, on est bien d'accord que cet établissement, enfin, et la Nouvelle-Calédonie, qui j'imagine apporte une garantie, ce qui est une autre partie de ma question. J'ai vu que c'était la BRED, mais c'est une autre partie de la question. Est-ce que la Nouvelle-Calédonie s'engage dans une hypothèse où éventuellement les recettes ne pourraient pas provenir comme c'est prévu de la perception de la TGC. Est-ce qu'il y a un impact budgétaire en termes d'endettement propre de la Nouvelle-Calédonie ? Monsieur le membre du gouvernement pour la réponse, s'il vous plaît.
Oui, merci, Monsieur le Président. Sur les 300 millions, c'est sur les contrôles qui ont déjà été effectués, sur les remboursements qui ont déjà eu lieu. C'est-à-dire que c'est sur le contrôle des remboursements qui ont eu lieu sur la première tranche qu'il y a 300 millions qui ont été dégagés. Donc ce n'est pas sur l'enveloppe globale ou sur les autres 4 milliards restants. Sur la garantie, donc il n'y a pas de demande de garantie de la part de la BCI sur la Nouvelle-Calédonie. Donc ça n'impacte pas le taux d'endettement de la Nouvelle-Calédonie. Monsieur le député, voilà, merci. Et pour finir, puisque je n'interviendrai pas plus dans le cadre de la discussion générale, donc on est bien donc sur un emprunt qui gage une partie de recettes fiscales à venir, et spécifiquement sur la TSS 2021-2022-2023. De ce que je comprends également, il s'agit de la... Alors c'est dit dans le résumé, pas forcément dans le texte, hein, mais... que c'est au titre de chacune des années 2021-22-23. Comme la TSS n'est pas un impôt annuel, mais un impôt continu. Pardon, TGC n'est pas un impôt annuel, mais continu, et qu'il est perçu au fur et à mesure. Est-ce qu'il faut comprendre que, quoi qu'il arrive, on attendra la fin de l'année civile 2021 pour verser la quote-part 2021 en 2022, ce que je pense avoir compris. Et si oui, pourquoi? Parce que plus on prendra du temps, plus... plus on mettra, plus ça nous coûtera cher. Et puis je reviens sur les 300 millions. S'il y a 300 millions sur 4 milliards aujourd'hui environ de remboursement, mettons qu'il y en ait autant à venir sur les contrôles qui seront effectués, on est quand même donc sur un engagement pris par la Nouvelle-Calédonie à l'égard d'entreprises dont, à hauteur de, dans mon calcul, de 600 millions, ces demandes sont non justifiées. En tout cas, à hauteur de 300 millions, aujourd'hui, elles ne le sont pas. Donc je spécule un peu. Et je tiens simplement à signaler qu'il y a quand même un engagement très fort, un gage de recettes de la Nouvelle-Calédonie, des recettes fiscales, pour procéder à un remboursement au franc le franc, comme si cette somme était de toute façon acquise alors que les contrôles n'ont pas encore eu lieu. Et c'est normal, hein, puisqu'on ne peut pas demander à l'ARTI d'avoir tout contrôlé. Là-dessus, il y a quand même une nouveauté, c'est que de toute façon, quoi qu'il arrive, on commence par présupposer que ces sommes sont dues, parce qu'elles ont été calculées comme elles l'ont été. On prend, au travers de la BRED, un engagement qui gage des recettes fiscales. On les versera. Et ensuite, on se paiera simplement avec ces contrôles, mais ça ne servira qu'à payer les intérêts. Moi, je trouve que la vertu là-dedans n'est pas préservée, notamment à l'égard de ceux qui ont fait des demandes injustifiées. Et je finirai là-dessus, Monsieur le Président. Ça a pris un long moment. Le directeur de la DSF s'en souvient. Il y a contribué, l'ancien directeur de l'ARTI aussi, avec les experts comptables, avec les entreprises, avec les syndicats. Des modalités précises ont été définies. Si on arrive déjà à trouver 300 millions de mauvaises déclarations, je ne vais pas utiliser de fausses déclarations, sur la moitié des demandes, et forcément, il y a toujours des gens qui ne jouent pas le jeu et qui ne le jouent pas bien. Là-dessus, ceux-là, ils s'en sortent quand même plutôt bien. Et nous, on prend des engagements qui sont quand même très lourds financièrement, même s'il n'y a pas d'engagement personnel ou budgétairement propre au titre de la Nouvelle-Calédonie. C'est ainsi, hein, la loi est votée, donc considère toujours de la même manière que ce n'était pas absolument nécessaire et que l'imputation du crédit d'impôt en 2019 avait déjà eu lieu sans que ça soulève des difficultés insurmontables. Mais enfin, on sera en 2024 pour rembourser, au travers de ce prêt, les taxes à l'importation qui ont été payées en 2018. Et pour certaines d'entre elles, pas payées, puisqu'il y a encore des contrôles à hauteur de plusieurs centaines de millions, si j'ai bien compris. Monsieur Gigès, pour parfaire votre explication. Oui, merci, Monsieur le Président. Sur les 300 millions, sur les 300 premiers millions, les premiers remboursements ont été effectués dans une zone d'ombre, sans savoir vraiment comment les entreprises pouvaient justifier du remboursement de leur stock. Donc là, on n'aura pas, sur les prochains, 300 autres millions. C'est qu'il y a eu un épurement, justement, de ceux qui n'avaient pas le droit au remboursement par l'ARTI sur ce contrôle. Donc il n'y aura pas d'autres recettes, en tout cas pas à ce niveau-là. Sur le montage, on a voulu garantir la neutralité fiscale, la neutralité budgétaire, pardon, de l'opération. C'est pour ça qu'en 2020, 300 premiers millions allaient être remboursés. Et c'est en 2021, 2022, 2023 qu'il y aura une affectation de la taxe pure pour garantir la neutralité budgétaire de l'opération pour le budget de la Nouvelle-Calédonie. Bien. Y a-t-il d'autres interventions dans le cadre de la discussion générale ? Je n'en vois pas. On va donc passer à l'examen des articles. Article 1er, Madame Montagnat, s'il vous plaît.
Merci, Monsieur le Président. En réponse à Monsieur Lallier, Monsieur Gigès rappelle la disposition du premier de l'article LP 515-3 du Code des impôts dans sa rédaction issue de la loi du pays de soutien à la croissance de l'économie calédonienne. Au titre de chacune des années 2021, 2022 et 2023, le produit de la taxe générale sur la consommation est affecté à hauteur de 1,35 milliard à l'Agence pour le remboursement des taxes à l'importation de la Nouvelle-Calédonie. Y a-t-il des interventions concernant cet article premier ? Monsieur Dunoyer. Et merci, Monsieur le Président. Une explication sur la neutralité budgétaire que Monsieur le membre du gouvernement vient d'évoquer. Neutralité, ça veut dire qu'il y a des moins et il y a des plus. Ou alors, c'est une autre signification. Moi, je comprends qu'il y a quand même un prélèvement sur des recettes budgétaires à venir. Et j'ai pas trop bien compris en quoi c'était neutre pour le budget de la Nouvelle-Calédonie ou le budget de répartition. Monsieur Gigès. Le coût qu'on devait avoir sur... merci, Monsieur le Président. Le coût qu'on devait avoir sur l'impôt sur les sociétés et du crédit d'impôt qui était engagé sur ce point-là compense l'affectation de la TGC dans le cadre du remboursement. Donc, pour le budget de la Nouvelle-Calédonie, c'est neutre. Monsieur Dunoyer. Voilà, c'est pas très important. Sur le principe, dit comme ça, c'est mécanique, mais a priori, ça dépendait quand même du résultat des entreprises. Donc j'ai pas compris que chaque année, les entreprises faisaient les mêmes résultats et étaient susceptibles d'imputer les mêmes niveaux de crédit d'impôt à hauteur d'1,350 milliard pile poil. C'était possible de le faire et éventuellement, c'était réparti par part égale. Mais ça dépend quand même aussi de leurs résultats également. Donc la neutralité, par principe, mécaniquement, budgétairement... demande à voir, c'est pas les mêmes impôts de toute façon, c'est pas les mêmes budgets et surtout c'est pas les mêmes années civiles. Mais enfin, le procédé a été validé ici. Donc je reviens pas sur le procédé, mais on conteste toujours et je conteste en tout cas le fait qu'il y ait une neutralité en affectant et engageant des recettes fiscales au remboursement de taxes à l'importation comme c'est prévu au profit d'un mécanisme qui de toute façon est coûteux pour la Nouvelle-Calédonie. Enfin, pour l'ARTI en l'occurrence, mais l'ARTI est un établissement public de la Nouvelle-Calédonie, je le vois mal en difficulté financière, tout seul à se débrouiller à rembourser en passant juste par la bride. Monsieur Gigès. Oui, juste rappeler à Monsieur Dunoyer que le crédit d'impôt était remboursable, donc si les sociétés ne faisaient pas de résultats, la Nouvelle-Calédonie devait leur verser. Donc c'était dans tous les cas un versement sur l'année N. Juste à titre d'information sur les rendements de TGC, donc on a un léger mieux sur les derniers mois de l'année 2019, donc une progression du rendement par rapport à ce qui a été prévu, enfin ce qui a été réalisé en début d'année. Donc des bonnes nouvelles. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur cet article premier ? Monsieur Lallier. Juste pour demander si les crédits d'impôt, ils sont payés en général, ils sont remboursés ou c'est presque une exonération de... Je posais la question, ça, parce que oui. C'est une solution de facilité qu'on a toujours mis en place. Apparemment, M. Gigès a compris la question. Non, je posais la question si les crédits d'impôt ils sont remboursés. Et parce que là, vous venez de contester en fait le dispositif qui a été mis en place par l'ancien gouvernement, en démontrant que de toute façon, il pouvait y avoir. Alors, la question que je me pose. Quand on met en place des crédits d'impôt, on n'est pas sûr d'avoir la totalité du remboursement. Donc c'est comme ça que je lis l'explication. Très bien. Monsieur Gigès. Donc, dans la loi, je vais appeler la loi de relance pour simplifier, on a mis en place des dispositifs de crédit d'impôt comme le crédit d'impôt recherche-innovation qui sont des crédits d'impôt purs. C'est-à-dire que si la société n'a pas de résultat, elle peut pas utiliser ce crédit d'impôt. Là, dans ce cadre-là, on est sur un crédit d'impôt remboursable. C'est-à-dire que si la société ne faisait pas de résultat, on était dans l'obligation de, sur le budget de la Nouvelle-Calédonie, de rembourser la société. Donc il faut bien faire le distinguo entre crédit d'impôt et crédit d'impôt remboursable. Voilà. C'est bon, M. Lallier ? OK. D'autres interventions sur cet article ?
avant sa mise aux voix, qui est tout de suite. Donc la mise aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Ouais. Monsieur le secrétaire général adjoint, quand vous êtes prêt pour le décompte. Alors, président, on a enregistré 28 pour et 13 abstentions. Cet article est donc adopté. On va donc passer à l'examen de l'article 2. Madame Montagnard, s'il vous plaît. Sans observation, Monsieur le Président. Très bien. Y a-t-il des interventions sur l'article 2 ? Il n'y en a pas. On met aux voix l'article 2. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Le décompte, monsieur le secrétaire général adjoint. Alors, vous voulez qu'on recommence ? Monsieur Dunoyer, vous êtes pour ? Oui. En président, on a enregistré 31 pour et 10 abstentions. Très bien, c'est adopté. L'article 3, madame Montagnin, s'il vous plaît. Sans observation, monsieur le président. Sans observation, y a-t-il des interventions ? Je n'en vois pas. La mise aux voix, qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? C'est le même que l'article 2. Il est donc adopté. L'article 4, madame Montagnin. Sans observation, monsieur le président. Les interventions, y en a-t-il ? Toujours pas. Je mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Ce sont le même décompte. Il est donc adopté. Et on passe aux explications de vote ou l'article 65 ? Explications de vote. Y a-t-il des explications de vote qui s'inscrivent ? Je ne vois pas d'explication de vote. On va mettre donc au vote l'ensemble du texte. Qui est pour ? Qui s'abstient ? Qui est contre ? L'ensemble du texte est donc adopté. C'était 31, je crois. C'était bien ça. On va pouvoir passer au point 3. Projet de délibération portant sur les conditions d'exercice des métiers de la construction, c'est le rapport numéro 104 du gouvernement du 29 octobre 2019. Monsieur le secrétaire général adjoint, pour le rappel, s'il vous plaît. Président, merci. Donc ce projet a été déposé sur le bureau du Congrès le 30 octobre 2019, examiné en commission de la législation et de la réglementation générale le 11 décembre 2019. Le rapport de commission numéro 128 a été diffusé le 22 janvier 2020. Je rappelle qu'il s'agit d'un projet de délibération d'application de la loi du pays 2024 relative à la mise en œuvre de l'obligation d'assurer dans le secteur de la construction, promulguée le 30 janvier 2020. Et un amendement avait été déposé en commission par Mme Virginie Ruffnac et qui porte sur l'article 2. Merci, monsieur le secrétaire général adjoint. Monsieur le membre du gouvernement, y a-t-il une intervention liminaire ? Non. Il n'y en a pas, bien. On va passer à la lecture du rapport de commission numéro 128 du 11 décembre 2019. Le rapporteur est M. Jacques Lallier. Donc je lis, hein. C'est oui, ça que vous me demandez. Le rapporteur. La discussion générale. Dans la discussion générale, les membres de la commission n'émettent aucune, mais vraiment aucune observation.
Merci, monsieur le rapporteur. Dans le cadre de la discussion générale, y a-t-il des interventions ? Je n'en vois pas. Il n'y en a pas. On va passer aux examens des articles. Il y en a 9. L'article 1er, monsieur le rapporteur. Sans observation. Très bien. Favorable à l'unanimité. Y a-t-il des interventions ? Il n'y en a pas. Je mets donc au vote l'article 1er. Qui est pour ? Unanimité. Article 2, monsieur le rapporteur. Madame Ruffnac indique que l'ajout de la mention du conjoint laisse entendre que celui-ci n'est ni gérant ni salarié. Une telle rédaction semble s'inscrire en dehors de tout cadre légal de l'exercice d'une activité professionnelle. Cette mention a été sollicitée par des représentants de la Chambre des métiers et de l'artisanat, mais manque de précision. En conséquence, elle dépose un amendement visant à encadrer ce point en se référant aux dispositions du Code de commerce qui encadre les cas des conjoints qui participent à l'activité d'une entreprise sans être rémunérés. Donc, je continue ou elle lit son amendement ? Non, non, on va demander à Mme Ruffnac de présenter son amendement, s'il vous plaît, Mme Ruffnac. Oui, merci, Monsieur le Président. Comme c'était indiqué précédemment par le rapporteur, effectivement, le terme du conjoint nécessitait simplement d'être replacé dans le contexte juridique qui est celui du Code de commerce, qui prévoit le statut du conjoint, parce que c'était un petit peu vague dans la première rédaction. Et donc, les membres de la commission, à l'unanimité, effectivement, ont choisi de rajouter une petite mention dans l'article 2 à cet alinéa. Et il est ainsi indiqué à l'alinéa 2, après les mots « de son conjoint », insérer les mots tels que définis aux articles LP 121.4 et suivants du Code du commerce, de manière à ce que le statut du conjoint ne soit pas juste quelqu'un peut exercer une activité dans le domaine de la construction si son conjoint a les diplômes qu'il faut, quoi. Voilà, ce n'est pas juste ça. Il y a un statut précis qui définit quelles sont les garanties que doivent apporter ce statut du conjoint. Merci, Monsieur le Président. Merci, Mme Ruffnac. Y a-t-il des interventions concernant cet amendement ? Je n'en vois pas. Je mets donc aux voix l'amendement numéro 1 qui est pour. À l'unanimité. Ok, on va donc passer au vote de l'article 2 ainsi amendé. L'article 2 ainsi amendé qui est pour. À l'unanimité. Avis favorable à l'unanimité. C'est ça, avis favorable à l'unanimité. On passe donc à l'examen de l'article 3, monsieur le rapporteur. Madame Maturini réitère son observation visant à préciser que l'expérience requise doit avoir été acquise localement. Avis favorable à la majorité des suffrages exprimés. Les membres du groupe UCFLKS national réservent leur avis en séance publique. Merci, monsieur le rapporteur. Y a-t-il des interventions ? Il n'y en a pas. On met donc au vote l'article 3, monsieur le rapporteur. Oh, juste pour dire que l'intervention de madame Machereau doit être prise en compte, puisque je le réaffirme au niveau du débat, et donc en cas de conflit, c'est important de donner toujours la priorité à la locale. Madame Ruffnac, l'intervenir. Oui. Merci, Monsieur le Président. Il y a eu la discussion donc en commission suite à l'intervention de Madame Machereau. On n'a pas voulu handicaper des Calédoniens qui auraient été pendant un certain nombre d'années acquérir une expérience professionnelle à l'étranger ou dans d'autres territoires, même français, et qui viendraient en Nouvelle-Calédonie justifiant de leurs 3 ans d'expérience professionnelle qui n'auraient pas forcément été acquis sur le territoire. Et par conséquent, on a souhaité, mais du coup, ça a fait aussi l'objet de discussions avec Mme Machereau sur ce sujet, ne pas handicaper ces Calédoniens qui auraient été acquérir une expérience professionnelle ailleurs qu'en Nouvelle-Calédonie et qui viendraient apporter cette expérience et ces qualités qu'ils auraient été acquérir ailleurs. Merci, Monsieur le Président. Donc, merci, Mme Ruffnac, Monsieur le rapporteur. Donc la notion de Calédonien n'est pas exclue.
Oui, parce que vous venez d'expliquer, c'est les Calédoniens qui peuvent avoir fait leur expérience dehors. C'est bon, monsieur. Madame Machoro, c'est bon ? Effectivement, ça fait l'objet d'une discussion en commission, et donc forcément, le fait effectivement que des Calédoniens, des gens originaires du pays qui seraient partis et qui auraient eu des expériences ailleurs, soient également, puissent également effectivement intégrer ces emplois-là. Bien, bien. Je considère que tout le monde a eu écho de ce qui s'est dit en commission et que donc il n'y a pas besoin d'en faire état plus ici. On a voté ou pas ? Non, on vous attend, monsieur le président. On a voté l'article 3, monsieur le rapporteur. On va passer à l'article 4. On n'a pas voté. Si. L'administration du Congrès dit qu'on a voté, donc on a voté. Je vous ai coupé la parole pour réaffirmer le... Juste après qu'on ait voté. Examen de l'article 4, monsieur le rapporteur. Sans observation, monsieur le président. Y a-t-il des interventions ? Après vous, c'est le seigneur. Il n'y a pas d'intervention, on met aux voix l'article 4. Qui est pour ? Avis favorable à l'unanimité. Article 5. 5, avis favorable à l'unanimité. Merci, monsieur le rapporteur. Y a-t-il des interventions ? Il n'y a pas d'intervention. On met aux voix l'article 5. Qui est pour ? À l'unanimité, avis favorable. Article 6, monsieur le rapporteur. Madame, je suis enjoint le gouvernement à produire rapidement des arrêtés nécessaires à la mise en œuvre du présent dispositif. Avis favorable à l'unanimité encore. Très bien. Y a-t-il des interventions ? Il n'y a... Si, monsieur Dunoyer. C'est juste une question de compréhension, monsieur le président. Je vous en prie. Dans le deuxième alinéa de l'article 6, sauf erreur, on mentionne la possibilité de rendre public. On est bien à l'article 6, monsieur le président ? Tout à fait. Donc, la possibilité de rendre public par le gouvernement, en l'occurrence, les manquements commis par un professionnel qui ne se serait pas conformé, etc. C'est sur cette modalité-là qui est assez... peu pratiquée, que, en tout cas, nous, on attend notamment la définition que l'arrêté du gouvernement, en l'occurrence, pourra donner de cette façon de rendre publiques ces sanctions. C'est pourquoi pas, sur le principe, mais ça peut d'ailleurs nous inspirer d'autres dispositifs analogues dans d'autres législations. Et donc, s'il y a déjà un peu une idée de la manière de rendre public et des conditions au-delà desquelles on va rendre publiques ces sanctions, ça m'intéresse de les connaître. Monsieur le secrétaire général du gouvernement. Oui, je partage les remarques formulées par Monsieur Dunoyer. Je pense que c'est en tout cas à vérifier et surtout à expliciter les modalités dans l'arrêté. Après, je partage aussi le sentiment de M. Dunoyer. Ça pourrait être intéressant, pourquoi pas, de le prévoir pour d'autres réglementations. En tout cas, essayons-nous déjà sur celle-là et on verra ce que ça donne. Après, public et il y a public et public. Jusqu'où rend-on les choses publiques ? Voilà. Mais je pense que c'est ça qui sera clarifié dans l'arrêté à venir. Monsieur Dunoyer. Voilà. Et pour finir, Monsieur le Président, tout est là, effectivement. C'est assez nouveau, je crois, mais peut-être que je me trompe. La capacité qu'on a pour une collectivité, en l'occurrence la Nouvelle-Calédonie, de rendre publique la sanction d'une personne, alors que le droit français est là-dessus assez protecteur. La sanction, elle a lieu, elle est exécutée, mais enfin, on n'a pas, vous et moi, connaissance des sanctions qui sont dispensées. Là, le rendu public m'amène à m'interroger, mais ce n'est pas maintenant, et les services s'interrogeant sur notre capacité, même juridique et peut-être constitutionnelle, d'aller au-delà de quelque chose qui est à la fois une protection et un droit aujourd'hui, et un droit qui serait pour le coup franchi, mais pour de bonnes raisons. On est en train de parler de situations qui sont légitimes. Donc j'imagine qu'il y a un degré de gravité particulier pour éviter que, de notoriété publique, le professionnel continue de l'être. Mais enfin, voilà. Donc ce sera intéressant d'avoir communication de ces arrêtés quand ils seront préparés. Merci. Je vois que le gouvernement acquiesce de vos observations, monsieur le secrétaire général. Juste peut-être une petite précision. Je pense qu'il n'y a pas de texte, en tout cas s'agissant de la Calédonie, qui prévoit ce dispositif. Les seuls éléments qui peuvent être rendus publics, et encore en fonction de la gravité de la sanction, ce sont les sanctions que peuvent avoir certains agents qui relèvent de la collectivité. Mais ça dépend là aussi pour quelles sanctions. C'est-à-dire qu'il y a des sanctions qui concernent les agents qui peuvent être publiées au JONC. Je pense notamment parfois à des agents qui sont rayés des cadres de l'administration. Pour le reste, on ne rend pas publiques les sanctions qui sont en général prises par l'administration. Seuls les arrêtés de révocation sont publics.
Merci pour ces explications. Y a-t-il d'autres interventions ? Il n'y en a pas. On va donc mettre aux voix l'article 6 qui est pour. Et avis favorable à l'unanimité. On passe à l'article 7, monsieur le rapporteur. Pour répondre à madame Machaud-Rignier, monsieur Cubis précise que le comité technique d'évaluation regroupe l'ensemble des commandes techniques dont fait partie la commission technique qualification. Avis favorable à l'unanimité, monsieur le président. Merci, monsieur Lallier. Y a-t-il des interventions ? Je n'en vois pas. On met aux voix cet article 7 qui est pour. À l'unanimité. Avis favorable à l'unanimité. On passe à l'article 8. Monsieur Lallier, s'il vous plaît. Sans observation, avis favorable à l'unanimité. Y a-t-il des interventions sur cet article 8, monsieur Dunoyer ? Toujours pour une compréhension personnelle, monsieur le président. L'alinéa 2 dit que. Puisque la délibération rentre en vigueur au 1er juillet de cette année, en attendant, je la résume ainsi, les professionnels peuvent continuer de travailler. Ça va sans dire. Donc j'imagine que si on le dit, c'est bon, je ne sais pas trop ce que ça apporte, puisque la délibération ne peut pas s'appliquer avant qu'elle entre en vigueur, c'est pas avant juillet, donc je ne vois pas trop comment on peut ou à quoi ça sert de dire que ceux qui sont déjà des professionnels continuent de travailler. S'il est prévu à cet endroit, c'est certainement qu'il y a une explication. Vous faites bien de poser la question. Monsieur le secrétaire général du gouvernement va vous répondre. Je laisse M. Cupidz répondre à la question puisqu'il a des éléments de réponse. C'est bon. Ah voilà. Pardon, excusez-moi. Merci, Monsieur le Président. En fait, on a eu à cœur de l'indiquer pour qu'il n'y ait pas le moindre doute dans l'esprit de ceux qui étaient intéressés, qu'il fallait bien avoir les conditions de l'article 2 au terme des 3 ans, parce que vous voyez qu'il y a des questions de durée, à partir de la date du 1er juillet 20, d'être conformément aux conditions de l'article 2, conditions de compétences, d'exercice, etc. On n'a pas voulu laisser le moindre doute dans l'esprit du lecteur. Vous avez raison sur le fond, ça n'apporte rien au dispositif. Mais ça permet à un lecteur extérieur, dont beaucoup étaient inquiets, de savoir très clairement qu'ils sont concernés et à partir de quand. Monsieur Dubonnier n'a pas l'air rassuré pour autant. Non, je suis rassuré. Je fais confiance à monsieur le directeur. Mais c'était intéressant du coup que je pose la question parce que je n'ai pas compris du tout cet alinéa comme ça. Et je continue de ne pas le comprendre du coup parce que si maintenant il s'agit de dire... Cette délibération s'applique à tous les professionnels, personne n'en est exempt. Bien sûr, vous aurez un délai pour le faire, vous aurez 3 ans pour rentrer, obtenir. Là, par contre, ce n'est pas ce qu'on écrit. Ce qu'on écrit, me semble-t-il, c'est simplement si à la date d'entrée en vigueur, vous n'y êtes pas, vous pouvez continuer d'exercer. On ne dit pas jusqu'à quand. C'est présupposé par la délibération en amont, hein, et personne n'est exempt. Oui, voilà, il faudrait peut-être ajouter, peuvent exercer jusqu'à ou à condition de... Moi, je pensais que c'était juste, vous inquiétez pas, même si vous ne les avez pas tout de suite, vous pouvez continuer, mais vous pouvez continuer. Alors, c'est pas jusqu'à ad vitam aeternam, en fait. Mais bon, voilà, si c'est un cri ainsi, je ne vais pas réécrire, je n'ai pas d'amendement à proposer, monsieur le président. Maintenant que vous l'avez dit, c'est enregistré. Y a-t-il d'autres interventions ? Je n'en vois pas, mais on voit l'article 8 qui est pour. Avis favorable. À l'unanimité. On passe à l'article 9, l'article de transmission. Monsieur Lallier, s'il vous plaît. Pas d'observation, avis favorable. Toujours à l'unanimité, monsieur le président. Merci, monsieur Lallier. Y a-t-il des interventions ? Sur l'ensemble du projet de. Pas d'opposition. Merci pour cette lecture complète. Y a-t-il des interventions ? Je n'en vois pas. On met aux voix l'article 9 qui est pour. Avis favorable à l'unanimité. Concernant les explications de vote, madame Ruffnac, vous inscrivez ou... Non, c'est pour faire, par rapport aux explications de vote, une simple remarque. Il y a 3 délibérations qui vont dans un projet global et l'objectif, enfin, en tout cas, nous, on donnera une déclaration qui est commune, en fait, pour les 3 délibérations. Donc, à votre discrétion, monsieur le président, si vous souhaitez qu'on le fasse au moment de la première ou bien à la fin des 3. C'est comme vous voulez. C'est comme vous voulez. Vous voulez le faire maintenant ou après ? Ça a plus de sens après, non ? Non, maintenant, mais ça
C'est comme vous le souhaitez, ça justifie le vote qu'on va faire favorable en faveur des trois, donc on peut le faire maintenant. Commencez comme... à nous aiguiller déjà. Allez, Madame Ruffnac, allez-y. Non, mais en quelques mots. Hein, ouais, sauf s'il y en a d'autres qui s'inscrivent aussi pour les explications de vote concernant ce projet de délibération. Non, donc vous pouvez y aller. Madame Ruffnac. Non, mais quelques mots au-delà d'une explication de vote précise pour dire que, effectivement, avec ces dernières délibérations, ces trois dernières délibérations, finalement, la Nouvelle-Calédonie se dote d'un arsenal réglementaire qui vient compléter les deux lois du pays et l'arsenal législatif qui avait déjà été voté par notre Assemblée dans le domaine de la construction. Ça fait monter tout le niveau de compétences et de garanties au sein de ce secteur. Ça apporte un système vertueux d'autocontrôle au sein de ce secteur de la construction par ces garanties nouvelles apportées. Ça protège aussi les Calédoniens dans leurs projets immobiliers, leurs projets de construction en général. Et donc ça nous semble très positif, autant cette première délibération sur effectivement les garanties professionnelles et conditions d'exercice des acteurs dans le domaine de la construction, que la délibération sur le contrôle technique que nous allons examiner ensuite, et la troisième délibération importante sur l'instance paritaire et qui va fixer effectivement son fonctionnement, et qu'une instance très importante et qui délivre les agréments. Je crois que ces dernières années, la Nouvelle-Calédonie est montée progressivement en structuration de cette compétence droit des assurances, et en particulier dans le domaine de la construction, qui est un domaine très important pour notre territoire. Merci, Monsieur le Président. C'est la raison pour laquelle notre groupe, bien sûr, votera favorablement l'ensemble de ces trois délibérations. Je vous remercie, Madame Ruffnac. Je regarde encore s'il y en a qui voulait intervenir, mais je ne crois pas. On va donc mettre aux voix l'ensemble du texte. Qui est pour ? Avis favorable à l'unanimité pour l'ensemble du texte. On peut donc passer au point 4. De notre ordre du jour, qui est le projet de délibération portant modification du titre 4 du livre 2 du Code des assurances applicables en Nouvelle-Calédonie sur sa partie réglementaire. C'est le rapport numéro 105 du gouvernement du 29 octobre 2019. Monsieur le secrétaire général adjoint, pour le rappel, s'il vous plaît. Président, merci. Donc, ce projet a été déposé sur le bureau du Congrès le 30 octobre 2019. Il a été examiné par la Commission de la législation et de la réglementation générale le 11 décembre 2019. Le rapport de commission numéro 129 a été diffusé le 22 janvier 2020. Je rappelle que ce projet de délibération est un projet d'application des deux lois du pays. Loi du pays 2020-4 relative à la mise en œuvre de l'obligation d'assurer dans le secteur de la construction, promulguée le 30 janvier 2020. De la loi du pays numéro 2020-5 relative à l'expertise en assurance construction et au contrôleur technique de la construction et portant modification du titre 4 du livre 2 du Code des assurances applicable en Nouvelle-Calédonie, partie législative, promulguée le 30 janvier 2020. Et enfin, je rappelle que deux amendements ont été déposés en commission par Mme Virginie Ruffnac et portant sur les articles 2 et 3. Merci, Monsieur le secrétaire général adjoint. Y a-t-il une intervention liminaire du gouvernement ? Il n'y en a pas. On va donc passer à la lecture du rapport de commission numéro 129 du 11 décembre 2019. Le rapporteur est M. Jacques Lallier. S'il vous plaît, M. le rapporteur. Dans la discussion générale, les conseillers ne mettent aucune observation. Bien, il n'y a pas eu d'observation dans le cadre de la discussion générale en commission. Y a-t-il des interventions dans le cadre de la discussion du général aujourd'hui ? Il n'y a pas de demande d'intervention. On va donc passer aux examens des articles. Il y en a cinq. L'article 1, M. Lallier. Aussi, article 1. Avis favorable à l'unanimité, M. le Président. Merci, M. Lallier. Y a-t-il des interventions sur cet article 1 ? Je n'en vois pas. On le met aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Il est adopté avec un avis favorable à l'unanimité. On passe à l'article 2, M. Lallier, s'il vous plaît. Madame Ruffnac dépose un amendement numéro 1 visant à prendre en compte une recommandation émise par le Conseil d'État avant que ces dispositions ne soient renvoyées de l'avant-projet de loi de pays au présent projet de délibération. Il s'agit de préciser que le président de l'instance paritaire d'assurance construction doit être totalement impartial, tant du secteur des assurances que celui de la construction.
Merci, monsieur le rapporteur. Vous avez fini ? Madame Ruffnacht, pour votre amendement. Oui, mais écoutez, le rapporteur a quasiment tout dit. Il s'agissait pour la commission de suivre un avis du Conseil d'État, faisant en sorte que le président de cette instance paritaire soit totalement indépendant. Donc l'amendement et l'alinéa 3 est rédigé comme suit. Le début est identique, hein, le début étant le président doit faire preuve d'un certain niveau d'expertise en matière juridique ou assurantielle de sa connaissance du secteur de la construction. Et donc est rajouté derrière cette mention identique et ne pas être salarié ou gérant d'une entreprise de construction ou d'assurance. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame Ruffnacht. Y a-t-il des interventions concernant cet amendement ? Il n'y en a pas. On met aux voix l'amendement numéro 1. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Il est adopté avec un avis favorable à l'unanimité. On passe donc aux voix. On met aux voix l'article 2 ainsi amendé. Qui est contre ? Qui s'abstient ? L'article 2 ainsi amendé est adopté. Avis favorable à l'unanimité. L'article 3, monsieur Lallier, s'il vous plaît. Madame Ruffnacht dépose l'amendement numéro 2 visant à corriger une erreur rédactionnelle. En effet, le nouvel article R243-16 mentionné un arrêté du président du gouvernement de la Calédonie. Or, les arrêtés émanent du gouvernement aussi de la Nouvelle-Calédonie. Il faut juste supprimer le président. Madame Ruffnacht, pour la présentation de votre amendement, s'il vous plaît. Oui, monsieur Allier a exprimé la situation. Un arrêté émane du gouvernement et non pas du président du gouvernement. Donc pour rectifier cette petite erreur de frappe, là, il est proposé de supprimer le terme du président. Merci, Madame Ruffnacht. Y a-t-il des interventions concernant cet amendement ? Il n'y en a pas. On le met aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Avis favorable à l'unanimité. On met donc aux voix l'article 3 ainsi amendé. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Avis favorable à l'unanimité. On passe à l'article 4. Monsieur Lallier, s'il vous plaît. Sans observation, monsieur le président, avis favorable à l'unanimité. Merci, monsieur Lallier. Y a-t-il des interventions sur cet article 4 ? Je n'en vois pas. On le met aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Avis favorable à l'unanimité. L'article 5, monsieur Lallier. Avis favorable à l'unanimité. Il n'y a pas d'observation sur l'ensemble du projet de délibération. OK. Modifiant le titre 4 du livre 2 du Code des assurances applicables en Nouvelle-Calédonie. Kanaki Nouvelle-Calédonie. Y a-t-il des interventions en séance ? Je n'en vois pas. On met aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Avis favorable à l'unanimité. Les explications de vote. Madame Ruffnacht s'est déjà exprimée. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Je n'en vois pas. On met au vote l'ensemble du texte. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Avis favorable à l'unanimité. On peut donc passer au point 5 de notre ordre du jour, qui est le projet de délibération relative au contrôle technique de la construction en Nouvelle-Calédonie. C'est le rapport numéro 106 du gouvernement du 29 octobre 2019. Monsieur le secrétaire général adjoint, pour le rappel, s'il vous plaît. Président, merci. Donc, ce projet a été déposé sur le bureau du Congrès le 30 octobre 2019. Il a été examiné en commission de la législation et de la réglementation générale le 11 décembre 2019. Le rapport de commission numéro 130 a été diffusé le 22 janvier 2020. Il s'agit d'un projet de délibération d'application de deux lois du pays que j'ai précédemment rappelé, président. Merci, monsieur le secrétaire général adjoint. Y a-t-il une intervention liminaire du gouvernement ? Je ne crois pas. Il ne nous écoute pas, en plus. Il n'y en a pas. Donc, s'il n'y en a pas, on va passer à la lecture du rapport de commission numéro 130 du 11 décembre 2019 par monsieur Lallier. Ne le retrouve pas, le... Monsieur Lallier. Oui, monsieur le Président, je me suis... Page 9 du rapport de commission. Bon, les conditions de compte sont remplies. Non. Pas de... Je peux aider, monsieur le... Merci, monsieur Wachetin. Dans la discussion générale, les membres de commission ne mettent aucune observation.
Bien. Y a-t-il des interventions dans le cadre de la discussion générale ? Je n'en vois pas. Pas de demande d'intervention. On va donc passer à l'examen des articles. Il y en a 31, monsieur Lallier. Article 1er, Madame Héo relève qu'il a été fait mention du fait que les contrôleurs techniques interviennent au début et au cours du chantier. Elle souhaite savoir si cette précision doit être apportée au sein de cet article. M. Cupiz indique que ce point est précisé dans les articles suivants, qui définissent chaque étape lors de laquelle un contrôleur technique intervient. Avis favorable à l'unanimité, M. le Président. Merci, M. Lallier. Y a-t-il des interventions ? Il n'y en a pas, on met aux voix l'article 1er qui est contre, qui s'abstient. Adopté, avis favorable à l'unanimité. On passe à l'article 2. Sans observation, avis favorable à l'unanimité. Merci. Y a-t-il des interventions ? Il n'y en a pas. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Avis favorable à l'unanimité. L'article 3. Pour répondre à Mme Hayot, M. Cupiz précise qu'un audit technique peut concerner une grande variété de missions et d'une technicité plus ou moins élevée allant du simple contrôle visuel et au test réalisé au laboratoire d'analyse. Avis favorable à l'unanimité des suffrages exprimés. Merci, M. Lallier. Y a-t-il des interventions ? Il n'y en a pas. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Avis favorable à l'unanimité. L'article 4. Avis favorable, pas d'observation, M. le Président. Merci, M. Lallier. Y a-t-il des interventions ? Je n'en vois pas. On met aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Avis favorable à l'unanimité. On passe à l'article 5. Avis favorable à l'unanimité, sans observation. Y a-t-il des interventions ? Je n'en vois pas. Qui est pour ? Avis favorable à l'unanimité. C'est bon. Article 6. Avis favorable à l'unanimité sans observation. Y a-t-il des interventions ? Il n'y en a pas. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Avis favorable à l'unanimité. Article 7. Sans observation, avis favorable à l'unanimité. Y a-t-il des interventions ? Non plus. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Avis favorable à l'unanimité. Article 8. Sans observation, avis favorable à l'unanimité, vote pareil. Même vote. Je vous remercie. Article 9. Monsieur Cupiz précise à Madame Machereau-Régnier que les services administratifs représentés au sein de la commission d'agrément sont en matière d'industrie, la direction de l'industrie des mines et de l'énergie, la DIMEC, en matière de travail, la direction du travail et de l'emploi des TVA, en matière de sécurité des abonnements, recevant public ERP, la direction de la sécurité civile et de la gestion des risques. Avis favorable à l'unanimité. Merci, M. Lallier. Y a-t-il des interventions ? Il s'agit du même vote. Oui. Article 10. Sans observation, avis favorable à l'unanimité. Y a-t-il des interventions ? Non. Il s'agit du même vote. Article 11. Sans observation, avis favorable à l'unanimité. Merci, M. Lallier. Pas d'intervention. Article même vote. Article 12. C'est pareil, sans observation. Merci. Pas d'intervention. Même vote. Article 13. Pour répondre à Mme Machereau qui s'interroge sur le nombre de réunions annuelles envisagées, M. Cupiz rappelle que les agréments ont une durée de validité de 5 ans pour les experts en assurance. Ainsi, la commission sera appelé à se réunir à de nombreuses reprises lors de la mise en place de cette nouvelle réglementation, puis les réunions se feront plus rares jusqu'à la période de renouvellement des agréments délivrés. Il assure à Mme Ruffnac que bien qu'il soit envisagé de tenir des réunions lors des périodes de renouvellement des agréments, soit tous les 5 ans, cela n'empêche nullement la commission de se tenir dès lors qu'une demande d'agrément est formulée. Avis favorable à l'unanimité. Merci, M. Lallier. Y a-t-il des interventions ? Non, même vote. Article 14. Avis favorable à l'unanimité, pas d'observation. Y a-t-il des interventions ? Pas d'intervention, même vote. Article 15. Avis favorable à l'unanimité, sans observation toujours. Y a-t-il des demandes d'intervention ? Je n'en vois pas. Le même vote, avis favorable à l'unanimité, article 16. Sans observation, avis favorable à l'unanimité. Je suppose que c'est le même vote, article 17. Sans observation, avis favorable à l'unanimité. Concernant l'article 18. Sans observation, avis favorable à l'unanimité. C'est le même vote. Article 19. Même vote sans observation.
C'est le même vote à l'unanimité, article 20. C'est le même vote de la commission sans observation. Article 20 adopté à l'unanimité, article 21. Sans observation, je suis favorable à l'unanimité. Merci, monsieur Lallier. C'est le même vote, article 22. Sans observation, je suis favorable à l'unanimité. Je vous remercie. Article 23. Ils sont fatigués, là. Sans observation, je suis favorable à l'unanimité. C'est le même vote. On passe à la. Hop. À madame Thierry, article. Quel article ? 23. Merci, Président. Peu importe l'article, mais c'était juste pour que la DAPM nous précise sur le contrôle technique, si ça concerne aussi les constructions sur terre coutumière, hein, parce que c'est ça le souci que nous avons aujourd'hui, puisqu'on parle d'assurance sur les constructions immobilières, etc. Comment ça se passe ? Merci. S'il vous plaît, pour la réponse. Merci, Monsieur le Président. Le contrat avec le contrôleur technique, il est à l'opportunité du maître d'ouvrage. Donc que vous construisiez sur terre coutumière ou pas, vous pouvez prendre un contrôleur technique et vous devrez avoir les missions qui sont définies à l'intérieur, qui vous seront proposées par le contrôleur technique. La prestation, elle sera identique dans sa forme pour tout le monde. Madame Thierry, pour compléter. Oui, merci, Président. Bon, nous, nous nous posons aussi la question s'il y aura des accords, justement, en tant que maître d'ouvrage à consulter un contrôleur technique pour pouvoir venir faire ces contrôles sur une construction sur terre coutumière. C'est aussi ça que nous devons vérifier après, évaluer si ce dispositif, il est bien surtout distribué sur tout le territoire de la Nouvelle-Calédonie. Merci. Pour la réponse, s'il vous plaît. Monsieur le Président, oui, merci. Les deux missions de base du contrôleur technique, c'est de vérifier la sûreté et la solidité de l'ouvrage, quel qu'il soit, et de vérifier que les prescriptions de sécurité des personnes, donc très souvent l'évacuation, l'incendie, soient opérationnelles. Donc ça, ce sont deux prestations de base, les missions dites L et S, qui peuvent être commandées à tout le monde et qui seront standardisées pour tout le monde. Normalement, les contrôleurs techniques présents sur le territoire, ils peuvent répondre à la demande sur l'ensemble du territoire, notamment sur ces deux missions qui sont les deux missions de base. Oui, je vous en prie, monsieur le secrétaire général du gouvernement. Peut-être juste pour évoquer le sujet évaluation qu'évoquait Madame Thierry, parce que c'est un sujet toujours intéressant. Je pense que ce qu'il sera utile après une année ou une année et demie ou deux années de mise en œuvre, que l'on fasse une petite évaluation du dispositif et notamment, pourquoi pas, que l'on puisse faire une petite comparaison d'ailleurs entre ce qui peut se faire sur terre coutumière et ce qui se peut faire sur terre classique, voilà, quitte à faire ensuite évoluer, bien sûr, le dispositif. Je pense qu'il sera important, en tout cas, de faire une évaluation en fonction de la caractéristique juridique du terrain et bien évidemment de la construction. Ça va, Madame Thierry, encore ? Oui, oui, vous pouvez, allez-y. Merci, Président. Mais aussi pour finir, nous avons eu l'occasion de dire, à l'occasion des travaux en commission, je ne pense pas que ce soit celle-ci, que la Nouvelle-Calédonie reconnaisse aussi les structures, nos habitations, les cases, parce que là, ce n'est reconnu nulle part. Et que ce contrôle, est-ce qu'il y a contrôle, il y a une obligation de contrôle dessus, mais c'est quand même, comme nous l'avons dit, quand les autres sont arrivés dans ce pays, les Kanaks avaient un toit sur la tête. Et c'est justement ça qu'il faut peut-être valoriser. Les derniers cyclones, on a toujours eu l'occasion de soulever ici, sur les îles, particulièrement à Lifou, où on a constaté que certaines structures avaient bien tenu le coup, parce que c'est aussi les constructions, les savoir-faire que nous devons aussi valoriser. Mais c'est dans les matériaux de construction, etc., qu'il faudra tenir compte. Mais c'est aussi pour rappeler cela. Merci. Merci, Madame Thierry. Monsieur le secrétaire général du gouvernement. Simplement pour dire que moi, je partage en tout point, en tout cas, ce qui vient d'être indiqué. Et je confirme, bien évidemment, qu'en période cyclonique ou de mauvais temps, on peut s'apercevoir que les systèmes traditionnels résistent infiniment mieux que les systèmes de construction plus modernes. Voilà. Et donc, en tout cas, je partage en tout point cet élément. Et il n'y a pas de difficulté pour reconnaître ces savoir-faire traditionnels. Je rappelle d'ailleurs qu'il y a un texte qui doit être pendant devant le Sénat et devant le Congrès sur les savoir-faire traditionnels depuis très longtemps. Et je pense que ce serait très utile, d'ailleurs, que ce texte puisse prospérer
eu égard notamment à la remarque formulée par Mme Thiéoué, et remarque que Mme Thiéoué n'est pas la seule à partager. Merci pour cette intervention. Monsieur Lallier. Non, je voulais juste... c'est dommage que le membre du gouvernement qui a défendu les projets de loi devant nous, qui avait explicité avec son expérience à côté des États-Unis, tout ça. Combien que le c'est une ouverture à l'officialisation de beaucoup de choses, et puis c'est un chantier. Voilà, c'était juste pour... C'est bon. D'autres interventions sur cet article 24 que je mets aux voix? Non, c'était le 23. Le 23. Je vais trop vite. C'est l'article 23, non. Même vote. Avis favorable à l'unanimité. On passe à l'article 24, monsieur Lallier. Madame Hay, on rappelle que le gouvernement a précisé que des normes étaient fixées par délibération d'estime. Il est nécessaire d'y faire référence. M. Cupiz indique que tel est déjà le cas via les alinéas 2 et 3. Avis favorable à l'unanimité. Merci. Y a-t-il des interventions? Il n'y en a pas. C'est le même vote. On passe à l'article 25. Sans observation, avis favorable à l'unanimité. Pas d'intervention. C'est le même vote. Article 26. Sans observation, avis favorable. Pas d'intervention. C'est le même vote à l'article 27. Sans observation, avis favorable à l'unanimité. Pas d'observation. Pas d'intervention. C'est le même vote à l'article 28. Sans observation, avis favorable à l'unanimité. Les interventions. Non, c'est le même vote. Article 29. Pour répondre à Mme Ruffinat, M. Cubis précise que les amendes de 5e classe sont d'un montant de 178 000 francs. Mme Ruffinat regrette que ce soit la seule sanction pour contraindre le maître d'ouvrage à faire réaliser un contrôle technique, surtout lorsqu'il s'agit de promoteurs immobiliers qui disposent de moyens financiers conséquents. Il conviendrait de mettre en place des sanctions plus dissuasives. Mme Machaurigny se joint à l'observation de Mme Ruffinat. M. Rintz précise qu'en application des dispositions de la loi organique, le montant des amendes en Nouvelle-Calédonie est plafonné par le montant des amendes prévues en métropole pour des infractions équivalentes. Ainsi, il n'est pas possible d'aller au-delà d'une amende de 5e classe. Avis favorable à l'unanimité des suffrages exprimés. Merci, M. Lallier. Y a-t-il des interventions? Il n'y en a pas. Avis favorable à l'unanimité. Article 30. Sans observation, avis favorable à l'unanimité. Y a-t-il des interventions? Non. C'est le même vote. Article 31. Sans observation, c'est l'article de transmission. Donc, c'est à l'unanimité. Pas d'intervention. Avis favorable à l'unanimité. Concernant les explications de vote, non, toujours pas. OK. Sur l'ensemble du texte, qui est contre, qui s'abstient, avis favorable à l'unanimité. Je vous remercie. On passe au point 6. Proposition de délibération portant modification de la délibération numéro 61 du 14 janvier 2020, portant habilitation de la commission permanente du Congrès durant l'intersession de janvier à juin 2020. C'est la proposition numéro 26 du 10 février 2020. Monsieur le secrétaire général adjoint, pour le rappel, s'il vous plaît. Président, merci. Donc, je rappelle que le Congrès a adopté la délibération numéro 61 du 14 janvier 2020 portant habilitation de la commission permanente durant l'intersession de janvier à juin 2020. Le gouvernement, par arrêté numéro 2020-143 du 4 février 2020, a sollicité de compléter cette habilitation de la CP. Le président Wamitan a déposé une proposition de délibération le 10 février 2020. Et pour votre information, Madame Virginie Ruffinat va déposer en séance deux amendements qui portent sur l'article 1er. Et par ailleurs, Madame Ruffinat et Madame Machoro ont déposé en séance un amendement portant également sur l'article 1er. Merci. Vous continuez avec la lecture de l'exposé des motifs de la proposition de délibération, Monsieur le secrétaire général adjoint.
Président, merci. Donc, conformément aux dispositions du second alinéa de l'article 80 de la loi organique modifiée 99-209 du 19 mars 99, la commission permanente règle par ses délibérations, dans la limite de la délégation qui lui est consentie à la majorité des membres du Congrès, les affaires qui lui sont renvoyées par le Congrès. Selon ce même article, la délégation ne peut porter sur des projets ou propositions de loi du pays, ni sur des projets ou propositions de délibération qui portent sur l'adoption ou la modification du budget présente à caractère fiscal ou sont mentionnés aux articles 26 et 27 de la loi statutaire, ni sur le compte administratif. Par arrêté 2020-143-GNC du 4 février 2020, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a estimé nécessaire de compléter la liste des textes pour lesquels la commission permanente avait été habilitée. Il souhaite ainsi compléter cette habilitation par deux projets de délibération relatifs à l'Institut de formation des professions sanitaires et sociales, l'IFPSS, de Nouvelle-Calédonie, et l'échelonnement indiciaire des fonctionnaires relevant de l'enseignement du second degré. En conséquence, il est proposé de compléter la délibération 61 du 14 janvier 2020 portant habilitation de la commission permanente du Congrès de la Nouvelle-Calédonie durant l'intersession de janvier à juin 2020 par ces deux projets de délibération que je viens de rappeler. Tel est l'objet de la présente proposition de délibération. Merci, Monsieur le secrétaire général adjoint. On va donc passer à l'examen des articles. Concernant l'article 1, Monsieur le secrétaire général adjoint. Donc l'article 1er de la délibération numéro 61 du 14 janvier 2020 portant habilitation de la commission permanente du Congrès de la Nouvelle-Calédonie durant l'intersession de janvier à juin 2020 est modifié comme suit. Grand 1, compléter le point 11, fonction publique, par un alinéa rédigé comme suit. 48 bis, projet de délibération fixant l'échelonnement indiciaire des corps relevant du cadre de l'enseignement du second degré de la Nouvelle-Calédonie. Grand 2, compléter le point 15, santé et protection sociale, par un alinéa rédigé comme suit. 62 bis, projet de délibération modifiant la délibération modifiée numéro 47 du 30 décembre 2004, portant disposition générale sur la création d'un établissement public à caractère administratif, IFPSS. Bien, Madame Ruffnac, vous avez posé l'amendement numéro 1. On commence par celui-là, s'il vous plaît. Oui, Monsieur le Président, en effet, le gouvernement a souhaité effectivement ajouter deux projets de délibération à l'examen de la commission permanente. Et donc l'amendement numéro 1 prévoit que l'on rajoute à ces différents projets qui seront étudiés par la CP, le projet donc de délibération approuvant l'accord cadre de partenariat en faveur du développement économique, social, culturel et sportif de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, et habilitant le président du gouvernement à le signer. Et le second projet de délibération est celui approuvant l'avenant à l'accord particulier entre la Nouvelle-Calédonie, les îles Wallis et Futuna et l'État, et habilitant le président du gouvernement à le signer. C'est l'objet de l'amendement numéro 1, Monsieur le Président. Merci, Madame Ruffnac. Y a-t-il des interventions concernant cet amendement, Monsieur Lallier ? Non, je vais poser la question sur l'amendement numéro 2. Non, c'est après, Monsieur Lallier. Ouais. Sur le 1, amendement numéro 1. L'a tout présenté, c'est pour ça que je réagis. C'est le premier, là, celui-là, Monsieur Lallier. Y a-t-il des interventions concernant l'amendement numéro 1 ? Il n'y en a pas. On met aux voix l'amendement numéro 1, qui est contre. Qui s'abstient. L'amendement numéro 1 est adopté à l'unanimité. On passe à l'amendement numéro 2, Madame Ruffnac, s'il vous plaît. Oui, Monsieur le Président, je vais en lire l'exposé des motifs pour une meilleure compréhension par les conseillers. Je vous remercie. Le 17 décembre 2019, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a déposé sur le bureau du Congrès un projet de délibération approuvant le recours à une délégation de services publics de type affermage pour la gestion et l'exploitation de l'aéroport de Nouméa-Magenta. Or, en application des dispositions de l'article 92 de la loi organique numéro 99-299 du 19 mars 99 relative à la Nouvelle-Calédonie et de l'article 19 du règlement intérieur du Congrès, après avoir approuvé le principe du recours à une délégation de service public, le Congrès doit désigner une commission spéciale qui aura la charge d'émettre un avis sur l'opérateur et l'offre qui seront retenues par le gouvernement. En ce sens, le présent amendement vise à compléter l'habilitation de la commission permanente pour lui permettre d'examiner la proposition de délibération visant à créer la commission des délégations de services publics ad hoc pour la gestion et l'exploitation de l'aéroport de Nouméa-Magenta. D'où le texte de l'amendement lui-même qui complète donc par un alinéa rédigé comme suit. Proposition de délibération portant création d'une commission ad hoc chargée du suivi de la procédure de délégation de services publics pour la gestion et l'exploitation de l'aéroport de Nouméa-Magenta. Voilà, Monsieur le Président.
Madame Thierry, pour une intervention. Merci, Président. Enfin, c'était pour savoir si ça veut dire que jusque-là, avec, c'est la CCI qui gère ce service. Nous étions dans l'illégalité ou quoi ? Question. Est-ce que, comme il s'agit d'un marché, délégation de services publics, il y a le financement derrière, passe en CP ou c'est en commission, en séance du Congrès qu'il faut faire passer ? Merci. Ok, merci pour cette intervention. Qui c'est qui veut répondre à Madame Thierry ? Monsieur le secrétaire général du gouvernement, monsieur le membre du gouvernement. Oui, je rassure Madame la conseillère, on n'était pas en illégalité, c'était simplement un cadre juridique qui était différent, et sauf que le gouvernement souhaite passer maintenant en délégation de services publics. Et donc c'est pour ça qu'on va mettre en concurrence maintenant pour ouvrir au plus large personnes qui peuvent répondre à la gestion de cet équipement, de cette infrastructure. Voilà. Et bonjour Monsieur Lallier, messieurs, mesdames. C'est bon Madame Thierry ou... Oui, c'est la même ou Monsieur Lallier d'abord ? Non, il y avait deux questions. Oui, je voulais savoir si est-ce que ça passe en CP ou en séance, puisqu'il s'agit d'ouvrir, de créer une commission qui... C'est uniquement la commission que nous allons créer en CP ou c'est la commission qui va discuter de la délégation de services publics ? Auquel cas, si c'est la commission qui discute des offres, est-ce que ça passe en CP ou c'est en séance ? C'était ça la deuxième question. Oui. Vous pouvez mieux expliquer, s'il vous plaît. Donc, sur la... C'est la CP qui va créer la commission, pour être clair. Et c'est pas la commission qui va discuter des offres. Voilà. La commission, elle va être en charge du suivi de la DSP. C'est bon pour Madame Thierry ? Oui. Monsieur Lallier souhaite intervenir. Juste pour préciser, la commission sera désignée quand ? Madame Ruffnac. Pour essayer de participer à la discussion, en fait, puisqu'on a une nouvelle procédure, effectivement, qui est une procédure conventionnelle où il y a différents candidats et différentes offres qui seront proposées, le Congrès va constituer une commission ad hoc de 11 membres qui auront à étudier à la fois les candidatures et les offres et qui rendra un avis. Voilà. Mais la commission, l'objet de l'amendement... Et que en CP le 4 mars, enfin en CP rapidement, puisqu'on est en intersession et qu'on n'est pas en session, le Congrès, on puisse effectivement voter cette délibération pour créer la commission qui aura à statuer, à rendre un avis sur les différentes offres et les différents candidats, sachant que vous le savez, c'est en juillet 2020 qu'il doit y avoir la mise en place de la délégation de services publics et qu'il faut un temps nécessaire pour que la commission puisse rendre son avis sur les candidats et les offres et qu'ensuite le Congrès à nouveau soit saisi. Par la proposition qui sera, enfin l'avis de cette fameuse commission ad hoc. Donc c'est voilà. Est-ce que les conseillers sont satisfaits par cette explication, Monsieur Lallier ? Pardon ? Vous voulez intervenir ? Non, mais c'était juste que j'avais compris ça, mais c'était pour savoir qui c'est des membres de la commission. Si c'est désigné plus tard, c'est ça. Et c'est tout ce que je voulais savoir. Ce sera désigné en assemblée plénière, puisque c'est. Puisque c'est pour juillet. Et juin, on a normalement la session administrative. Comment ? Madame Ruffnac, vous voulez oui, compléter ? Non, une question peut-être à l'administration qui doit être plus à même. Moi, je comprends que c'est en CP qu'on crée la commission et que donc on nomme les 11 membres qui la constituent. Non, on crée la commission seulement. Et donc on désigne les... On vote pour les 11 membres. Enfin, c'est une question que je vous pose. On va donner la parole à M. Travers qui va nous expliquer tout ça. Oui, merci, M. le Président. Alors, effectivement, dans une procédure de délégation de services publics, le Congrès... est amené à intervenir trois fois, en fait. Il intervient une première fois pour valider le principe de la délégation de services publics. Donc ça, c'est un projet qui a d'ores et déjà été déposé par le gouvernement et qui sera examiné en séance plénière, puisque là, la CP n'a pas été habilitée. Il intervient une deuxième fois pour élire une commission spéciale. C'est d'ailleurs la commission prévue à l'article 92 de la loi organique statutaire.
C'est une commission qui comprend 11 membres et qui est 11 membres du Congrès, 11 conseillers du Congrès, élus à la représentation proportionnelle au plus forestre. Donc, c'est l'objet de l'habilitation de la commission permanente qui est proposée par l'amendement. C'est d'habiliter la commission permanente pour procéder à l'élection des 11 membres qui vont composer cette commission ad hoc. Et puis le Congrès se réunira plus tard, une dernière fois, en séance plénière, puisque là aussi la commission permanente n'est pas habilitée, pour valider définitivement le choix qui aura été fait par le gouvernement de désigner l'opérateur qui sera amené à gérer et à exploiter l'aérodrome de Magenta. Donc, bien, monsieur Lallier. Donc nous, on peut fournir des candidats pour la commission permanente. Bien sûr, monsieur Lallier, proportionnellement à votre représentativité dans la dite commission. Y a-t-il d'autres interventions ? C'est pas ce qui est marqué. Si, si. C'est comme ça, les commissions du Congrès. C'est juste une nouvelle commission. Il n'y a pas à changer les règles de désignation ni de représentativité. Monsieur le Président, s'il vous plaît. Oui, allez-y, monsieur Lallier. Ce que je discute, c'est que dans ce... Enfin, je discute, je m'interroge, c'est que dans cet amendement, et on parle de créer la commission, mais on ne parle pas de nommer les membres de la commission. C'est pour ça que je pose la question. Parce que le juriste, il a dit qu'en désignant en même temps. Dans ce cas-là, il faut dire que dans l'objet, c'est les deux. Enfin, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de l'ouverture de la session législative en juin, pour en nommer les membres pour étudier en juillet, puisque ça passe en juillet. C'était un peu... Monsieur Travers, que pensez-vous de l'intervention de monsieur Lallier ? On va pas se noyer dans un verre d'eau. Alors, oui, merci, monsieur le Président. En fait, c'est une procédure assez rare, hein, puisqu'elle a été appliquée qu'une seule fois depuis le début de l'accord de Nouméa. Donc, l'administration du Congrès, avant la séance de la commission permanente, adressera à chacun des groupes une notice d'information. Et chacun des groupes représentés au Congrès sera amené à déposer, s'il le souhaite, des listes. Avec ces listes, le jour de la séance de la commission permanente, on procédera à une élection à la représentation proportionnelle. Et le résultat de cette élection donnera finalement la composition définitive de la commission ad hoc. Donc, concernant cet amendement numéro 2, y a-t-il d'autres interventions ? Il n'y en a pas. On met aux voix l'amendement numéro 2 qui est contre. Qui s'abstient ? Adopté. Avis favorable à l'unanimité. Madame Ruffnac, l'amendement numéro 3, s'il vous plaît. Oui, alors nous présentons conjointement avec Madame Machaud-Régnier, qui en est d'ailleurs à l'initiative, cet amendement qui consiste à rajouter à l'habilitation de la commission permanente l'avis que nous devons rendre sur le décret portant convocation des électeurs et organisation de la deuxième consultation sur l'accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie. C'est donc un décret, évidemment, de l'État, et nous sommes saisis pour que, rapidement, nous puissions rendre avis sur ce projet de décret. Le texte de l'amendement rajoute donc ce projet de décret portant convocation des électeurs et organisation de la deuxième consultation sur l'accès à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie à l'habilitation de la commission permanente, monsieur le Président. Merci, Madame Ruffnac. Y a-t-il des interventions concernant cet amendement numéro 3 ? Monsieur le membre du gouvernement. Juste une petite information, monsieur le Président. C'est pour vous indiquer que le gouvernement va prononcer un avis aussi sur cet avis demandé la semaine prochaine en séance du gouvernement, c'est-à-dire le 25 février. Merci pour cette information. Je ne vois pas d'intervention concernant cet amendement numéro 3. On va donc le mettre aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Il est adopté. Avis favorable à l'unanimité. On va donc mettre aux voix l'article 1er ainsi amendé de ces trois amendements. Qui est contre ? Qui s'abstient ? L'article 1er ainsi amendé est adopté avec un avis favorable à l'unanimité. L'article 2. Monsieur le secrétaire général adjoint, s'il vous plaît.
Président, c'est l'article de transmission. D'accord. La je suppose qu'il n'y a pas d'intervention et que c'est le même vote. Il est donc adopté avec un avis favorable à l'unanimité. Est-ce qu'il y a des explications de vote? Je n'en vois pas. Pas d'explication de vote. On met donc aux voix l'ensemble du texte. Et c'est le même vote. Il est donc adopté avec un avis favorable à l'unanimité. Il n'y a pas d'intervention complémentaire. Je vous remercie, mesdames les conseillers, le public, l'administration. Et je vous souhaite une bonne fin d'après-midi.